Assalamualaikum, bonsoir tout le monde. Le canté de dimanche 2 juillet sera à Deauville. Un canté de plat handicap sur une distance de 2000 mètres. Ce canté sur une référence plus 20 et demi, les 3 ans. Elle se déroulera sur la 4e course de ce réunion. Nous serons 16 au départ de ce canté avec les 6 grands favoris donnés pour vous. Le 1, Planck, 12 contre 1. Le 2, Gérard Mossé, 13 contre 1. Le 9, Stéphane Pasquier, 9 contre 1. Le 10, Ladjad, 8 contre 1. Le 12, Bachelot, 11 contre 1. Et enfin, le 13, Demero, avec 4 contre 1 à la côte. La ligne d'arrivée à 450 mètres, pas de piège dans ce parcours. On a des écuries d'entraîneurs, c'est le cas des numéros 3 et 4, 10, 15. Aussi, on a des nombreux concurrents qui seront leur premier handicap demain. C'est le cas des numéros 3, 4, 8, 11, 12, 14, 15. Attention à ces chevaux-là. La sélection de deux chevaux, N9, Tuyo le 13. Et les belles chances, on a 10, 8, 4, 12, 2. Les tocards ou les gros tocards qui peuvent démonter les rapports, le 3, le 11, le 6 et le 15. Aussi, on a des belles outsiders. On a 4 membres qui peuvent glisser un ou deux dans l'arrivée de ce quintet, le 8, le 4, le 7 et le 5. Passons-nous aux bases de ce quintet. Première base le 13, deuxième base le 10, possible pour le 9 comme favori logique. Les As ont donné 1, 8, 9. Les écuries qu'on n'a pas, les 3, 4, 10, 15. Entraîneur en forme, 9, 13. Jockey en forme, 8, 11. On va voir le classement. Comme vous voyez, les favoris en haut. On a 13, 10, 9, 12, 1, 2. Les outsiders, 8, 4, 7. Les tocards, 5, 3, 11. Et les non-cités, on a 4 chevaux, le 6, le 15, le 14 et le 16. On a 2 chevaux, évolution du poids. Le 6, moins 1 kg et le 2, moins demi kilo. La base de 3 chevaux, 13, 19. Confidentiel. 13, 1, 7, 9, 10, 3, 4 et 5. Pourquoi pas numéro 7. La liste type classement. 13, 1, 9, 10, 8, 4, 12, 2, 7, 5, 3, 11, 6, 14, 16. Les étoiles pour 4 chevaux. Le 13, le 8, le 10 et le 11. Les meilleures chances pour le 3, 3 fois. Le 11 aussi 3 fois. L'analyse a donné 13, 4, 16, 7, 10, 11, 9, 8, 3 et 15. Et qu'il y a prono 13, 16, 10, 4, 9, 12, 11 et 5. La gazette des courses 8, 13, 10, 9, 1, 4, 5 et 7. Prono de Paris-Tu par Florent Bess 13, 10, 9, 12, 2, 1, 7, 8. Chance régulière 3, 5, 4, 11, 6, 14, 16 et 15. Vous voyez qu'il n'y a pas de non-cité. La course sera très ouverte. Attention, la dernière minute sera pour le numéro 3 et le coup de folie sera le numéro 8. Les pros d'entraîneurs. Le handicap, ils ont donné pour vous 13, 10, 9, 5 fois, 12, 2, 1, 4 fois, 7, 8, 3, 3 fois,
5, 4, 2 fois, et le 11, et 16 fois. Les noms cités pour eux, le 6, le 14 et le 16. Le joker à suivre, dont ce quintet sera numéro 13. Et dans l'ensemble de la presse, c'est numéro 15 qui sera non cité. Le niveau de cette course sera assez difficile. Le temps à 20 degrés éclairci, terrain bon à soupe. Le creux, c'est le 4. Les autres pronostics, comme vous voyez, est devant vous. Pour les chevaux repérés pour vous, pour les jumelles, on a le numéro 13. Le spécialiste, c'est le 1. La découverte sera numéro 7. Alors que les favoris des médias, on a 13, 10, 9, 8, 9, 4, 7, 12, 5, 11, 2, 3, 16, 14 et 6. La conclusion de Paris Course. Base 10, 13, 9, tuyau 3, 8, 12, outsider 1, 4, en cas de remportant, c'est le 7. Et l'outsider séduisant de ce quintet sera le numéro 4. Je vous souhaite toujours de bons gains, de bons rapports. Je vous retrouverai demain à la même heure pour vous donner mes infos sur le quintet de lundi. Bonne soirée et à bientôt.